Salut les gamers, c'est Lady, on se retrouve comme tous les mois pour notre petit rendez-vous top 10 esquives. Alors cette fois-ci, je vais être toute seule à vous présenter les 10 esquives les plus impressionnantes du mois, tout simplement parce que mon ami et collègue Yoda n'a toujours pas récupéré de Lifebox. Donc comme vous le savez, on est en plein déménagement, c'est un petit peu le bazar. Et justement à ce sujet, le mois prochain, eh bien, nous serons en train d'emménager donc à la frontière suisse. Et pour cette raison, malheureusement, nous ne pourrons pas être en mesure de vous proposer le top 10 du mois d'octobre. Mais ne vous inquiétez pas, on ne manquera pas de se rattraper sur le mois de novembre. Alors en ce qui concerne les esquives, bah écoutez, c'est parti, on attaque tout de suite avec à la 10e position une esquive de Make Some Noise. Donc il se trouve en coopération à deux sur la map Origins, la map qui vient de sortir sur PS3. Donc là on est manche 8, il y a le Panzer, il a tout le groupe derrière lui, obligé de faire demi-tour, ça passe pas, il refait un demi-tour, le Panzer lui bloque la route et là il y a un zombie qui sort sur le côté gauche. J'ai envie de dire heureusement qu'il avait Mastodonte, sinon je ne sais pas s'il s'en serait tiré. Make Some Noise, j'espère que tu as eu un peu plus de chance par la suite avec les Panzers. À la 9e position, on retrouve ZackKill234. Alors je ne connais pas ce joueur, toujours est-il qu'il est sur Nuketown en mode coopération à deux également. Il se retrouve bloqué, il a essayé de passer mais ça passe pas, du coup il se retrouve dans le garage de Nuketown. Beaucoup de gens se sont trouvés dans cette situation sans s'en sortir, mais lui il va s'en sortir, il s'est pris deux baffes, mais vraiment c'est un miraculé. Il est passé avec son petit mastodonte, franchement il a de la chance. Donc là tu pourras te vanter d'avoir réussi à paquer les 24 zombies ou presque dans les garages de Nuketown, parce que c'est pas facile. Il nous a même mis un petit ralenti, histoire que l'on puisse voir à la troisième personne ce que ça donne. Donc on voit bien tous les zombies qui vont arriver du toit, tous ceux qui se reportent sur lui. Il aurait pu se faire coincer, mais il a eu le réflexe d'esquiver sur le côté, de se coucher sous le portail pour passer in extremis. Franchement, bien joué à toi, c'était une très belle action et un très beau réflexe de ta part. À la 8e position, on retrouve Paul58, il est sur la map Origins également. Donc là, il a toute la vague derrière lui. Il essaye de faire une petite virée par le No Man's Land, il croise... Bon, jusque là, quelques zombies dans l'escalier, rien de bien dangereux. Mais les deux zombies qui l'attendent au détour le mettent bien dans le rouge. Il esquive la dernière baffe qui aurait pu le tuer. Et là, en faisant son petit demi-tour, on voit qu'il a Panzer et toute la famille derrière lui. Il s'en sort in extremis en faisant des petits coups de slalom entre les zombies. Tu as eu beaucoup de chance. À la 7e position, on retrouve Sushi SNCF, un joueur de lutte sur PS3 de la team Sushi, des gens assez connus dans l'univers de la lutte. Donc là, tous les collègues sont encore en vie apparemment, mais tous les adversaires sont tombés. Ils se retrouvent bloqués au rez-de-chaussée de la maison à faire des petits 180 comme ça dans les zombies. Assez belle réaction de sa part, de très belles esquives. On va pouvoir voir à la 3e personne un peu mieux comment ça s'est passé. Donc voilà, un premier zombie qui arrive, il pack tranquillement autour des canapés, mais non, il va devoir faire demi-tour et re-demi-tour à la porte quand tout le groupe lui arrive dessus. Même chose de l'autre côté, à croire que ça lui plaît. Toujours est-il qu'il a réussi à s'en sortir grâce à un très beau jeu d'esquive. À la 6e position, on retrouve Wismatch Zombies, un joueur qui est sur Black Ops 1. Il s'est pris une première baffe, il est en first room, il n'a pas mastodonte et il évite la deuxième claque in extremis au pied de l'escalier. Elle est pas passée loin. Et donc à la 5e position, on retrouve GZG SkyZ3, pseudo super facile à prononcer. Et donc il est sur ferme avec ses deux collègues qui viennent de tomber, il essaye de réanimer mais non ça passe pas, il a pas masto, il esquive, ça passe. Il s'est pris juste une baffe, une extrémiste juste avant de partir. Bien joué à toi, franchement, je pense que tu as sauvé la partie. À la 4e position, on retrouve MoveTech, donc il est sur Origins, en first room, en coop à deux. Et donc voilà, il pack au niveau du générateur 1, il esquive, il s'est pris une baffe, il a eu chaud, vraiment chaud, il va pouvoir réanimer son collègue avec toute la vague de zombies derrière lui. Et donc il nous a mis une petite série de ralentis à la 3e personne, donc son collègue vient de tomber, ils sont, je le rappelle, en first room sur la map Origins, et il attend que tous les zombies viennent sur lui afin de les packer tranquillement au générateur 1, afin de pouvoir par la suite aller réanimer son collègue dans la 2e salle. Donc il est en train de packer. Ça passe très juste au niveau de la table du générateur 1 et là il se retrouve bloqué entre 4 zombies et il a de la chance, pour lui il ne se prend qu'une seule baffe, une seule unique baffe, je rappelle qu'ils n'ont pas masto. Et c'est parti, on va pouvoir attaquer le top 3 avec une esquive de Droz sur la map ferme. Donc première petite esquive dans le petit coin, il se fait bloquer et la petite erreur de sa part, il part vers le portail alors qu'il est déjà bien touché. Bon ça va, il a eu le temps de récupérer, mais là ça va être difficile de passer. Vous allez voir le petit coup de joystick de Chike Bam Bam, comme dirait Yoda. Voilà, il a réussi à s'en sortir, il arrive à repaquer les zombies au milieu de la map. C'était très chaud, très belle action. À la 2e position, FDAM Poney. Super pseudo, son collègue vient de tomber, il essaye de le réanimer. Ils sont remontés dans la first room de Buried. Il va esquiver un premier zombie et c'est là tout l'art de son esquive. Il esquive les deux autres sans se prendre une seule baffe, sachant qu'il n'a pas mastodonte. Il a pu repartir tranquillement du coup de l'autre côté pour pouvoir aller réanimer son collègue. Et enfin, à la première position pour ce top 10 du mois de septembre,
Donc on retrouve Isis 23 dans la map ferme et tout va se jouer à cet endroit. Son collègue vient de tomber, tous les zombies se dirigent sur lui. Il ne lui reste plus qu'à faire un bon demi-tour et là, ouf, quel petit saut pour éviter les zombies, c'était vraiment assez spectaculaire. Donc là on voit bien qu'il est bloqué, il se fait un 180, il est au fond, il y a tous les zombies qui lui barrent la route. Normalement il ne serait pas passé, franchement il a eu de la chance, il a eu le réflexe de sauter pour esquiver le zombie qui arrivait sur le côté. Et c'est ce petit réflexe qui lui a valu la première position du top 10 du mois de septembre. Avant de refermer cette vidéo, je souhaitais remercier chaleureusement Pastèque Officiel, car en plus de nous avoir fait notre intro, il vient de nous offrir le nouveau design de notre top 10 Eskim. N'hésitez pas à rendre une petite visite à nos amis de la C2C. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye!